Coucou, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais juste vous montrer un petit peu où j'en suis de mon tableau que je fais pour l'anniversaire d'une copinette. Voilà, il se termine petit à petit, mais il faut que je me dépêche parce que c'est pour le mois de novembre. Donc il faut que je m'y mette. Voilà. Mais enfin bon, je mets les bouchées doubles. Et je voulais vous parler un petit peu de mon concours des 1000 abonnés. Voilà. Alors j'ai dit, je vais en profiter pendant que je fais ça. Voilà. D'abord, j'espère que vous allez toutes bien. Moi, ça va mieux, hein. Ça a été une petite crise de quelques jours. Et puis ça passe. Il n'y a pas de souci. Oui, je voulais vous dire, pour mon concours, vous êtes déjà pas mal nombreuses à avoir mis un message dessous. Il faut aller sous la vidéo que j'ai faite pour le concours des 1000 abonnés, qui est du 26 septembre, du 29 septembre. Et je mettrai l'adresse, oui, l'adresse de la vidéo dessous la vidéo de ça. Voilà. De façon à ce que vous puissiez y aller plus facilement, parce que c'est vrai que c'est pas évident quand on reprend comme ça un mois après. Elle dure jusqu'à. Le tirage se fera le 30 novembre. Donc vous avez largement le temps d'aller sous la vidéo, de marquer ce que vous voulez. Je ne demande pas grand-chose. Je ne demandais pas justement de création, parce que bon, déjà j'en ai déjà pas mal dans les placards. Et puis là, actuellement, avec ce qui se passe, on n'est pas sûr de la poste et de ses déboires. Voilà, parce que entre arriver et faire arriver le courrier, c'est déjà une chose. Mais qu'ils disparaissent dans la nature, surtout quand on a les adresses au dos, hein. Donc ça vous laisse à supposer que, bon, il y a des fuites quelque part. Voilà. Donc pour éviter tout problème, j'ai dit, c'est pas la peine de m'envoyer une création. Je voulais juste un message sous ma vidéo. Et me dire si vous aimez si vous êtes susceptible de gagner quelque chose qui concerne le diamant painting ou qui concerne, pas qui conserve, oh là 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 là, qui concerne le scrapbooking ou la carterie. Voilà. Comme ça, moi, ça me laisse déjà une petite préparation, le temps de préparer, de tout mettre en place. Je sais à peu près qu'est-ce qu'il faut que je prépare. Voilà. Il y a certaines choses qui sont déjà prêtes, parce que petit à petit, mes commandes arrivent. Donc, il y a des choses qui sont arrivées et que j'ai mis de côté. Il y a des choses que vous allez voir et d'autres choses que vous ne verrez pas. Parce que là, pour l'instant, j'ai encore pas nié les cadeaux que je ferai. Mais bientôt, je vais. Déjà, sur le mois d'octobre, à la fin du mois d'octobre, je vais en mettre deux ou trois vidéos. Sachez quand même que je fais six tirages. Il y aura six gagnantes. Trois pour la carterie scrapbooking et trois pour le diamant painting. Alors, à vous de vous inscrire. Voilà. Vous vous inscrivez sous la vidéo que j'ai fait paraître au mois de septembre. Hein? Pas sous celle-là. Si vous mettez un commentaire sous cette vidéo-là, il ne sera pas pris en compte. Ce serait dommage. Ce serait dommage. Pourquoi il s'est mis à l'envers, lui? Écoutez, le DP que je fais, je l'ai acheté chez. C'est une catastrophe. Trumbuy Store. Trumbuy. Trumbnail Strop.
Tom Nelstrop. Eh bien, écoutez, Store, je suis vraiment très déçue. Les diamants ne sont pas tous de la même grosseur. Ils ne remplissent pas la toile. Ils ont que des défauts. Mais c'est plein de défauts, hein. Plein de défauts. Je suis vraiment déçue, surtout que c'est en plus des pots à offrir. J'essaye de le faire le plus droit possible, mais il y a des endroits où je peux pas changer la forme des diamants. Voilà. Et là, je suis déçue. J'aurais pas dû prendre chez eux et fais toujours confiance. En tout, des fois, des modèles chez des partenaires, des revendeurs qui nous plaisent. Mais en définitive, il vaut mieux rester chez son vendeur habituel. Hein, parce que dans cela, bonjour. Bonjour la catastrophe. Mais enfin bon. Les diamants ne sont pas tous de la même grosseur, suivant les couleurs, suivant les souvent les couleurs, ils ont des formes différentes. Il y a des fois que j'en prends un et puis il est beaucoup plus gros, beaucoup plus gros, petit que les autres. Ça se voit comme un nez au milieu de la figure. Je suis obligée de rectifier. Voilà. Alors je l'enlève, j'en mets un autre. Le tout, c'est que j'en ai assez pour faire la toile. Ça, c'est toujours aléatoire. Alors, ma foi, j'essaye de les mettre le plus droit possible. Alors là, j'ai un embout de 4 perles. Et j'ai souvent que 3 à mettre. Alors, j'en mets que 3. Mais c'est pas évident, hein. Je bataille énormément pour la faire, pour la bonne raison, c'est que il y a beaucoup de déchets. Beaucoup de déchets, par contre. Oh mon Dieu, qu'ils sont sales. Oh, je suis obligée de les passer dans une passoire. Alors je les sors des sachets de là, des petits sachets comme ça, là où vous êtes. Je les sors de ces petits sachets comme ça, je les passe dans une passoire pour les nettoyer. Je ne les passe pas sur le robinet, hein. Je les mets que dans une petite passoire pour les filtrer. Comme ça, à travers la passoire, sort tous les petits déchets, tous les petits copeaux, et encore il en reste. Et après, je les mets... je peux les travailler, mais sinon c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. Il y a toujours quelque chose. Alors voilà, mais c'est vrai que ce vendeur, j'y retournerai pas chez lui. Hein. Mais c'est vrai que le tableau me plaisait et je voulais faire celui-là et je ne l'ai pas trouvé ailleurs. Je l'aurais trouvé chez Home Fun, je l'aurais fait. À l'époque, quand je l'ai acheté, je l'aurais trouvé chez Home Fun, je l'aurais fait chez Home Fun. Parce que maintenant, je crois qu'il y est. Ce qui me fait d'autant plus regretter. Mais bon, je ne vais pas en faire un deuxième. Quand on est habitué avec une marque, c'est difficile, on est plus difficile après. Voilà. Voilà, ben sinon, à part la toile qui est caca, je vous la montre même pas parce qu'elle est vraiment, c'est vraiment moche. Mais le dessin était joli, me plaisait, mais c'est comme beaucoup de choses. J'ai énormément de toiles que j'ai achetées pour un coup de cœur. Et puis en définitive, c'est les diamants sont tellement moches ou il y a tellement de déboires dessus que je suis vraiment déçue. Voilà. Là, je suis égarée. Une autre que j'ai faite, elle est toute bandolée. Je ne peux pas la travailler.
du coup, j'ai demandé au vendeur de faire un geste. Il veut pas. Enfin, il a fait un geste aussi. Je veux dire qu'il n'a pas fait de geste. Il a fait un geste, il me donne 50% sur une autre toile. Voilà. Donc, j'ai pas envie de racheter chez lui. Hein. Franchement, j'ai pas envie. Donc, c'est pénible. Excusez-moi pour l'intermède, le téléphone. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bon, je viens de faire mon calendrier de l'Avent. J'ai pris beaucoup de temps pour le faire. Ça m'a pris énormément de temps. Alors, je m'énerve après les trucs, là, les cols roses qui ne collent pas. J'avais des cols de bonne qualité au début, et puis maintenant... c'est que de la... Alors ça colle 10 minutes. Quand on a fait 20 diamants, pof, il faut remettre de la colle. Enfin, aujourd'hui, je suis partie pour aller. Voilà, je voulais juste vous dire d'aller voir un petit peu sous ma vidéo les 1000 abonnés. Pour vous relancer un petit peu, parce que je vois que ça stagne, il n'y a plus beaucoup de gens qui s'inscrivent. Je reçois des petites choses pour mes 1000 abonnés, il y en a qui m'en envoient. J'ai pas demandé d'envoi, hein, mais il y en a qui m'envoient, c'est vrai, c'est gentil, ça fait plaisir. Et puis voilà, j'ai reçu 2-3 petites choses, il y en a certaines, oui, qui m'ont envoyé. Mais je demandais rien du tout, donc je demandais pas de création, parce que je trouve, j'ai déjà pas mal de choses à trier et à ranger dans tout ce que j'ai reçu, parce que je voudrais les ranger correctement. J'avais commencé, avant d'être malade, à ranger mon atelier, du coup mon atelier est en temps de bail, parce que j'ai pas fini, et puis voilà. Et j'attends que mes petits-enfants ils viennent pour m'aider à faire mes montages vidéo, parce que je comprends pas tout. Et mon logiciel est en panne. Voilà. Alors ils vont venir mercredi. J'espère que tout ira bien mercredi. Voilà, voilà. Sinon, bon, ben, tout va bien. Ah, j'en ai plus de 4, là, Béa. Mais je vais en enlever un. Hop. Et je vais mettre en 3. Voilà. Je vais prendre des 3. Je vais prendre des 3. Voilà, voilà. Ça va plus vite avec ça va plus vite avec des manchons comme ça. Hein. J'en ai un qui fait que 3 d'ailleurs, celui-là. Il est de 4, mais sinon j'en ai un de 3. J'aurais pu l'attraper. Ensuite, c'est que des 2. Bon, on va remplir le reste. Et voilà. Alors, après le calendrier d'avant, j'ai eu beaucoup de chutes. Enfin, beaucoup. J'ai eu des chutes de papier. C'est inévitable qu'on ait des chutes. Et je m'en suis servi pour faire de la carterie.
Alors, j'ai fait des cartes avec mes règles de matage. Si vous ne savez pas ce que c'est que des règles de matage, ce sont des petites règles qui font 10 cm, qui ont incrusté dans la règle des rangées de bordures plus ou moins larges. Alors, moi, j'en ai que deux de règles. Alors, c'est recto verso, il y en a deux de chaque côté, donc 4 par règle, j'en ai 8 au total. Et je peux faire 8 matages différents. Voilà. Mater, c'est quand on met un papier sous une photo, sous une carte, c'est avec un autre papier de couleur. Voilà. Et quand on met plusieurs épaisseurs aussi. C'est ça le matage. C'est très intéressant. Et moi, j'aime bien, surtout pour les photos. J'aime bien quand je mets mes photos, pour mater mes photos, pour mettre du papier derrière, au dos. C'est bien pratique. Alors déjà, ça colle plus. Agaçant. Bon, j'ai pas essayé les petites fioles que l'on trouve là en cire. J'avais essayé moi d'en faire une, mais ça n'a pas marché. Je trouve pas ça pratique. Personnellement, mon point de vue personnel. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voilà. Pour là, c'est fini. Là, il n'y en a plus. Là, j'en ai plus. Voilà, je vais vous montrer comment il est, le loup. J'ai une feuille là, oui, de suivi. Voilà. Oups. Voilà. Le loup, le clair de lune. J'avais une feuille de suivi là, mais c'est pas toujours qu'il y en a. Bon, je vais finir celui-là. Je vais finir celui-ci. Je vois qu'il manque deux perles là aussi. Et puis, je vais en ouvrir un autre. Il faut que je me dépêche. Il faut que je me dépêche. Bon, ben, je vais m'arrêter pour cette vidéo. Mais je vois que j'ai des trous là encore. Mais j'ai des trous un peu partout. Je m'arrête là. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis belle journée. Et puis, allez voir la vidéo des 1000 abonnés et inscrivez-vous. Parce que si vous n'êtes pas inscrit, et vous me mettez bien sous la vidéo. Si vous êtes plutôt scrapbooking, carterie ou diamant painting. Hein? Vous me mettez bien ça. Parce que sinon, moi après, si je fais le tirage au sort et que je n'ai pas vos préférences, je vais vous mettre quelque chose qui va peut-être pas vous plaire. Hein? Allez, bonne journée à toutes. Bisous, bisous à tous.